une chance, c'était dans le terrain de gauche. Puisque l'Allemand a reçu un point de pénalité. Début de la sixième reprise. Et le Français Touran Baxi qui semble prendre la mesure de son adversaire. Plus de puissance côté de Baxi, c'est évident. Dès qu'il parvient à se rapprocher, il est beaucoup plus efficace que son adversaire. Qui se durcit dans cette sixième reprise. À l'énergie des deux hommes dans cette fin de sixième reprise. L'Allemand qui a perdu de sa superbe moins mobile. Et lui aussi se met à travailler en force. Et pas forcément la meilleure façon de s'imposer face à Touran Baxi. La droite. Et le coup de gong. Tu baisses jamais la garde. Qu'est-ce qui t'arrive de baisser la garde là? Toi, tu frappes plus fort que lui, ne l'oublie pas. Einfache Schläge machen, mein Gott. Einfache Aktionen machen. Der kommt auf dich drauf zu, nur eine Frage des Torhüters. Écoute-moi, t'es en avance à mon avis. Hein. Je te dis une chose, je vais dire une chose. Ce type là, tu le mets KO. Il reste deux rounds pour faire la différence. Le combat est pour l'instant très serré, même si Touran Baxi possède un bon pointage, un léger avantage. Tout va se décider dans ces six dernières minutes. Et voilà, Baxi qui touche. Garde très hermétique de Rudiger May.
réaction de l'Allemand. Il est moins efficace, ça c'est une certitude. Mais il touche et il marque des points. Gauche et gauche. Et la réplique en direct de Rudy Gurney. C'est dommage car Touran Baxi n'enchaîne pas derrière ses accélérations. Oh, échange de droite terrible là. Elle va laisser des traces cette septième reprise. Qui n'a jamais connu la défaite en 25 combats. Champion d'Allemagne dans cette catégorie des lourds légers. Et la fin de cette avant-dernière reprise, tout va se décider dans les trois dernières minutes. Trois minutes pour faire la différence. 3 minutes pour arracher la victoire dans ce combat. Bon, c'est le Dénéland, hein? Sûr, hein? Après cette première reprise, Touran Baxi à l'avantage. On prend tout son temps avant